Pour l'instant, ça ne lag pas. Eh bien, écoute. Je croise fort les doigts pour toi, Véronica et Louis. Ces histoires de tweets pertinents, de choses comme ça, qui sont assez, assez compliquées, en fait, pour obtenir un bon débit. Comme je disais hier, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, hein, parce que si tu vas avoir un bon débit, il faut être partenaire. Mais si tu vas avoir du monde, et donc avoir la chance d'être partenaire, parce qu'il faut, faut avoir assez, comment dire, un certain quota de viewers pour ça, et bien tu as besoin de monde, et donc d'être partenaire. Enfin bref, c'est toujours très compliqué. Bonsoir à toi, Vital. Ça va bien? Et bonsoir, Véronica, donc, et bienvenue pour la suite de ce jeu formidable. Alors, il est bien, ce jeu, honnêtement. Il est moche, mais il est bien. Ce qu'il y a, c'est que... Il veut pas communiquer avec moi. Il veut pas que je le comprenne. Et j'ai un gros problème avec lui, c'est-à-dire... c'est pas normal que je doive utiliser une soluce pour comprendre des trucs de ouf, quoi. Bon, allez, on est parti. Remicron. Oui, parce qu'en français, c'est The Nomad Soul. Voilà, il y a marqué. Et en fait... En anglais, The Nomad Soul, ça devient un sous-titre. Il s'appelle Omicron, The Nomad Soul. Ça va bien, bah écoute, ça va mieux qu'hier. Toujours un petit peu enrhumé, ça doit s'entendre un petit peu. Mais allez, j'ai prévu un remède. Voilà, je me soigne au Coca. Voilà, je vais envoyer, je vais envoyer un mail à Coca pour me demander qu'il me paye hein, pour la publicité. Faut pas déconner non plus. J'aimerais bien. Bon, alors vous vous souvenez, hier j'avais contrôlé... dans une séquence calamiteuse des robots, des mechas, voilà, des mechas. Putain, mais... Alors, si ça fait un bip, c'est qu'en fait, vous savez, hein, je vous l'avais expliqué, la Dreamcast, la manette, se présente comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez cette chose, qui s'appelle une VR Memory, je sais, c'est une carte mémoire, en gros. Et c'est une carte mémoire qui ressemble à une mini-console. Alors, je vous l'avais montré lors de Shenmue, mais je le refais. Voyez. Donc, on pouvait, avec des jeux compatibles, on pouvait faire des trucs dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? On pouvait faire... Il y a des, voilà, genre Sonic, par exemple, on pouvait élever un Chaos dedans, à la façon d'un Tamagotchi. Bon, il n'est pas compatible avec Omicron, mais voilà, ça fait du bruit. Là, il n'y a rien sur l'écran. Mais une fois, parce que je crois qu'il n'y a pas de pile. En fait, ce machin-là est très gourmand en pile. Mais une fois que je le place dans la VR... Normalement, il y a marqué quelque chose. Ah, il y a marqué Omicron. Enfin, The Nomad Soul, en fait. Bref, voilà, petite explication sur la Dreamcast. C'est comme ça que ça marchait. Elle était pas mal, cette console, malgré tout. Enfin, je... Elle a quelques qualités, mais pas sa manette en tout cas, la manette est horrible. Mais ça là, le coup de l'écran dans la carte mémoire, qu'on peut emmener partout, faire des petits jeux et tout ça, c'est une très bonne idée, ça n'a jamais été repris. C'est bien dommage. Bref, que dois-je faire? Ah oui, j'ai explosé hier je sais pas ce que j'ai fait en fait hier. Hier j'ai amené un mecha. Grâce à cet ordinateur-là, justement. J'ai amené un mecha... Quoi ? Je comprends pas. À aller dans un endroit précis, je sais pas ce qu'il a été y foutre. Je comprends pas ce jeu. Je comprends pas ce jeu, c'est ouf. Je ne comprends pas. Voilà, lui non plus ne comprend pas. Et... Alors, hier, sur la soluce, j'avais lu brièvement que, en fait, il fallait aller aux archives. Alors, il y a bien un étage qui est dédié aux archives. Mais... Je ne comprends pas pourquoi le fait d'avoir amené ce mecha à cet endroit-là va m'ouvrir les portes des archives. Alors effectivement, je crois que les archives sont protégées. Hein, il y avait un Golgoth là qui gardait l'entrée. Bon, voilà. Voilà. Non, pas du coca. Ah non, mais j'ai encore pire que ça, Vitaloun. Hein. J'ai encore pire que ça. Voilà. Pour me guérir, j'ai des célébrations. D'ailleurs, je vais en prendre un. Je suis désolé, je vais vous donner faim. Un sneakers. Alors j'en ai donné déjà un max en fait, parce que quand j'achète un paquet de célébration, c'est trop pour moi, il faut que j'en ai que 2-3 moi. Donc j'ai tout donné à ma mère, des amis et tout. Trop bien comme ça. Bon. OMG. Salle des archives.
Bonsoir GeoGeo, comment ça va? En deux secondes, hein, je peux pas. Et je me lave les dents avant, avant chaque live. Alors. Voilà. Comment tu vas, mon Géo? Et bienvenue à toi. Je suis là, bonsoir Véronica, mais tu n'étais plus là. Que s'est-il passé? Ou pas? Mais moi, je te vois. Alors, les archives sont là, je crois. Qu'est-ce qu'il fout, lui, là, là sur sa rambarde en train de faire une dépression, je sais pas quoi. Tu vois à quoi tu ressembles? Oh mon dieu. Putain, il est quand même laid, ce jeu, quoi. Ça te dérange que je te regarde sous le nez comme ça? Bonjour. Waouh, mon dieu, mais que c'est laid! Ouais. Oh là là. Ah, mais c'est trop moche. Très bien, Manu et toi? Bah écoute, très bien. Super. Je te remercie. Très bien. Non, voilà, oui. C'était le cas hier, hein. Encore un petit peu malade. Mais ça va passer, ça va passer. Je suis où, là? Hey, attendez, il y avait un robot ici. Ah oui, c'est ça, les archives, en fait. C'est quoi, là-bas? Ouais, bah, ça, je me méfie, par contre. Hein, on se souvient que j'ai été coincé à cause de ces conneries. Ah, d'accord. J'ai ouvert, en fait, cette porte qui est à la salle des archives. Voilà. Et excusez-moi. Et oui. Je suis obligé. Hein, sinon, je vais parler... Je vais parler comme ça et vous allez rien comprendre. Alors, je... Voilà. Alors, je pourrais le faire de manière un peu plus discrète. Mais bon, allez, on est entre amis, ici. Donc, oh punaise, oui, je suis venu ici avec le robot. J'avais pas capté que c'était à la salle des archives, c'est dit nulle part. Et ça m'aide pas d'image, je dois aller où? Toutes les portes sont fermées, à part 2-3 là-bas. Alors là, c'est quoi déjà? C'est ça d'où je viens, non? Ouais, je crois que c'est là d'où je viens. Ouais, super, je suis de retour. Pour vous jouer un vilain tour. Est-ce que tu étais parti, GeoGeo? Dis-nous tout. Où est-ce que tu étais? Ce bruit de moustache super sexy. Et au moment où tu arrives, Little Unicorn, je suis désolé. Mais, c'est mieux que le bruit super sexy de mec qui parle comme ça. Voilà. Bonsoir à toi. Tu vas bien, Little Unicorn? Alors, je vous avoue, hein, c'est hyper sexe. Mais, voilà. Et bah ça, c'est une salle que je ne connais pas. Je ne suis pas... Ce sont des consoles de commande. Rien d'intéressant. Ah bon, bah si tu veux. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, des sous! Oh, des sous! Eh... Ah, mais je veux! Eh, mais je viens de braquer un petit peu mon boulot, là. Est-ce que j'ai bien fait de les prendre, les sous? Bah, je veux dire... Ouais, je sais pas si j'ai bien fait de les prendre. Je sais pas si le jeu réagit comme ça, s'il y a une influence sur nos trucs. Mais comme c'est un jeu de David Cage... Hein, Heavy Rain, tout ça, des jeux où, où vos actions ont une influence sur votre progression. J'aurais peut-être pas dû les prendre, ça va me retomber sur la gueule. C'est un cadeau trop gros. Ah non, avec les cours et tout, c'est chaud. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bientôt les vacances, de toute façon. T'es en combien, toi, GeoGeo? Moi, je suis encore au collège. Je jongle un peu avec ton live et celui de Lord. Fais un bisou à mon Lord. Il est à l'unicorne. Ben alors, je vais où? Alors, moi je... Voilà, je viens d'ici. Je suis pas... J'ai pas fait tout ça pour avoir des sous, je m'en fous. Pourquoi ces portes? Je n'ai aucune raison de faire ça. Mais tu veux pas ouvrir des portes? Ça t'intéresse pas, mec? Rien à signaler. Bon, bah si tu veux, hein. Mais pourquoi j'ai fait ça, alors? Mais... Quoi? Putain, il est chiant en plus. Il trouve le moyen de dire des phrases à chaque fois qu'il comprend pas. Genre, je n'ai aucune raison de faire ça, mais ta gueule. Il parle trop, ce mec. Il est dans 10 jours, c'est les vacances. Et ouais, dans 10 jours. Et j'ai intérêt à vous voir plus souvent. Sinon,
coup de règle sur les doigts. D'ailleurs, bientôt, si vous avez un petit compte Steam, je ferai un petit concours pour voir Marcieux de trop là tous les soirs. Je ferai un petit concours pour vous faire gagner un ou deux petits jeux. Je comprends pas, je ne vois pas quoi faire avec ça. Oui, je sais, j'ai déjà fait, mais voilà. Je veux mon permis. Moi aussi, Vitalune. Mais qu'est-ce que... De toute façon, les consoles de commande, rien à... Mais ça t'intéresse pas ? Enfin, c'est des commandes... Enfin, c'est bien, des consoles de commande. J'ai pas de vacances, je suis belge. Ah oui, c'est vrai, Géo. Mais oui, mais c'est pas... Enfin, les vacances, elles sont pas au même moment, mais t'as quand même des vacances, non ? Eh, mais je dois revenir là ? Mais c'est quoi l'intérêt ? Attendez, je suis pas venu ici, hein ? Ah oui, je suis pas venu ici. Ah oui, si, là, je suis venu. Alors là, c'est les archives dans lesquelles, d'ailleurs, je suis déjà passé. J'avais trouvé des trucs, là. Mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Peut-être que j'ai besoin des CETEC. Pardon. Voilà, pour éviter les bruits de mouchage... Pas un bruit. Dans un mois, normalement, et encore. Ah, bon courage, Géo. Ouais, mais comme ça, tu pourras frimer quand tu seras ici. C'est genre... Ah, je suis en vacances, c'est pas vous. Donc, dossier... De... Mais non, ça, je connais. Bon, je suis désolé. Pardon. Alors, solution... C'est le nomade Soul. Qui, je l'ai dit hier, hein, il porte trop bien son nom parce qu'il me saoule, ce jeu, c'est un truc de fou. Solus de Matsu. Ah, ah. Alors. Et vous trouverez la partie. Attention aux autres mécas. Il y a les Yapanokaris. Oui, ça c'est ce que j'ai fait hier. Ok. Prenez à la porte. Vous avez pris le fusil. Allez au fond. Prenez encore une porte. Sauvegardez à côté des caisses. Oui, non, ça j'ai vu, j'ai fait. Revenez sur vos pas, dans le haut de... Descendez à l'escalier et discutez avec le surveillant, vous direz. Prenez l'ascenseur, vous êtes une sortie de hall, passez la porte décalée. Dans un coin de porte, prenez le couloir, et premier double porte, vous voyez, dans une salle avec un sol en forme de miroir. Bah, c'est là où j'étais. Un accès à un butin confisqué par des voleurs. Ouais, c'est ce que je viens de récupérer, en fait. Allez voir Boog. Au niveau moins 1. Bon, bah, je sais pas. Book, c'est pas le mec qui veut le poster érotique, justement, tiens. Bon, visiblement, je devais venir aux archives histoire d'avoir les sous. Ça, c'est fait. J'ai le butin des voleurs. Et, ah, attendez, j'ai vu un truc là à gauche, il m'a semblé. C'est quoi, ça ? Y'a pas un truc, là ? Je n'ai aucune raison de faire ça. Mais... Ah bon? Ah là, vraiment, hein, j'ai l'impression de voir un truc blanc. C'est pas grave. Bah, si tu veux. Si tu veux. Je vais donc aller... Là où il y avait Boog. Mais il y a marqué ici, je crois, en fait. Kale... Non, il était au moins un, je crois. Boog, voilà. Et on va lui filer son poster érotique à lui. Maintenant que j'ai mes vacances pour Halloween, ça me va. Pourquoi, Little Unicorn, tu fais quoi? Tu fais quoi pour Halloween? Avec le déguisement de licorne. Petit poney, ouais! Est-ce que je déguise mon poney pour Halloween cette année? J'hésite. Attends, t'as déjà déguisé ton poney pour Halloween, Vitaloon? Punaise, mais le pauvre! Vive les licornes, j'ai trop immature. C'est bien l'immaturité. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, hein, je veux dire... encore le mec avec ses 30 piges qui fait des choses bizarres. Bon, bonjour. Il y a une carte sur son bureau. Boog 909, responsable des affaires internes. Il pourrait être utile de l'avoir de mon côté. Ah, j'avais pas pu lire ça. J'ai un petit cadeau pour toi. Alors lui, c'est le gros dégueulasse. C'est le gros dégueulasse moche, avec une vieille verrue là, qui aime bien avoir des choses un peu bizarres.
comme des posters érotiques, comme celui qui est juste derrière. Et il se trouve que, bah, normalement, j'en ai un sur moi. Voilà, poster érotique. Faut toujours avoir un poster érotique sur soi. Génial. Un de plus pour ma vie. Ce gros dégueulasse, quoi. Tu sais, c'est marrant. On y voit toujours la même chose, mais je m'en lasse jamais. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Voilà le mien. Alors, qu'est-ce qu'il va me filer, lui? Merci, Bougle. Putain, il s'appelle Bougle, le mec, quoi. Ah oui, il m'a donné quoi? Passe du centre de sécurité. Oh oh, je n'ai rien de nouveau à lui dire. Ah, tu veux plus lui parler. Est-ce qu'il l'a mis, son poster? Non. Carte du... C'est quoi? Ah, bah, centre de sécurité. Il y a un étage. Un live spécial pour Halloween? C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. J'y avais pas pensé, mais oui. Bonsoir, Mégane Pigeois. Comment ça va? Enfin, Mégane Pigeois. Et bonsoir, Monsieur Klex. Parce que... Voilà, du coup, les deux vont un peu ensemble. D'ailleurs, comment vous faites? Au même endroit pour pouvoir avoir vos deux comptes. Qu'est-ce qui se passe là chez Klex? Vous allez bien tous les deux? Oui, je lui mets sa calèche et ma cousine de 7 ans se déguise pour ramasser des bonbons et on passe dans la ville. C'est génial! Tu feras des photos, Vitaloun, si tu le fais? C'est génial! Bon, peut-être quelqu'un d'autre ordi, je vais y arriver. Ben, j'espère, Veolika. J'espère! Bon. Centre de sécurité? Je fais des choses que je comprends pas, mais voilà, lui non plus ne comprend pas. Surveillance. Cellule de détention, putain. Salle de maintenance. Ah non, il me semblait que j'avais vu truc de sécurité ou je sais pas quoi. Salle des archives. Maintenance. Aérateur ou je sais pas quoi, je m'en fous. Salle de surveillance. Non, j'en viens. De détention. Bah, je dois faire quoi avec ce truc? Entrée du bureau Gunther. Fais voir. Passe, centre de sécurité. Ce passe permet d'ouvrir certains bureaux du centre. Il se désactive après utilisation, c'est une blague? C'est genre un passe jetable. Hey, Italy Nation, ça va bien? Non, je vais à Halloween Night le 31 octobre. À Halloween Night? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Saviez-vous? Bisht signifie queue en albanais. Je suis ravi de le savoir. Mais tellement. Chacun un PC, Megan qui écrit sur les deux. Et Klex qui fait la vaisselle pour que Megan fasse un mug cake Nutella. Punaise, quoi. Voilà. Parce que Klex, quand il mange son mug cake, il est comme ça avec ça. Il fait comme ça, voilà. Je l'ai vu, hein, comme ça. Regarde. Tellement il aime ça, quoi. Je veux dire, il est obligé de le regarder. C'est comme s'il était en train de chasser et qu'il regardait sa proie. Tu joues à ce jeu pile poil durant le live caca de Lord. Coïncidence! Peut-être. Passe de centre de sécurité. Oh, il est pas caca, je l'ai dit en début de live. Il a plein de défauts, mais tu sens la volonté des mecs derrière de vouloir faire un truc de fou. Genre un conte narratif avec une enquête et tout, c'est intéressant, c'est mature et tout. Seulement, putain, c'est moche, c'est injouable. Enfin, bureau des agents enquêteurs. Ah, attendez! Attendez, peut-être que maintenant je peux rentrer chez Den. Parce que c'est ça qui m'intéressait, moi. Je voulais savoir je pouvais rentrer dans son bureau à Den. Voilà, ça c'est le bureau de Den, je crois. Et vu que j'ai un pass de sécurité, peut-être que... Non, pas ça. Putain, ça marche pas. À quoi il sert, ce truc? À quoi il sert? Parce que là, je crois que j'ai ouvert toutes les portes qui m'intéressaient, quoi. Est-ce que j'ai été bloqué sur une porte? Bon, vous savez quoi? MG, je lag à mort! Oh! Ah bah, ça vient pas de moi. C'est curieux. Tu fais que te moquer! Mais non! Je sais pas ce que j'étais. Moi, je vois pas le live, ça me charge depuis tout à l'heure, mais c'est un truc de fou, quoi. Bon, alors. Il ouvre son bureau est à l'intérieur d'un coffre. Allez voir Boug. Ouais. Passez la porte et donnez-lui le poster érotique. C'est fait.
J'aime bien la soluce. Je l'avais pas lu, je vous jure que je l'avais pas lu. La soluce me dit, en échange, je vous donnerai un pass, effectivement, que vous essayez sur le bureau de Den au niveau 2, porte rouge. Ce que je viens d'essayer de faire. Ça ne marche pas! Mais alors pourquoi tu me le dis? Alors, servez-vous du pass pour ouvrir un autre bureau. Ah, d'accord. Donc, en fait, il conseille d'ouvrir le bureau au niveau 1, porte orange. Ok, bah, si vous voulez. On va voir. C'est où Halloween Night? Oui, c'est vrai, ça, tiens. Où est-ce que c'est Halloween Night? Comment? Voilà. Moins 1. Et la porte orange, c'est Woodem 457, c'est ça? Chez moi, c'est tout. Ça, c'est chez moi, c'est au Kinépolis. Et comme, ouais, bah oui, c'est en Belgique, quoi. Porte orange jaune. Orange. Alors, visiblement, le pass va se détruire après. Je vois, enfin, j'ai pas fait ça quand même juste pour avoir des bonus, quoi. Je vais avancer dans l'aventure quand même en faisant ça. Alors. J'ai un octogone, un grand medikit et des munitions. Très bien. Je peux pas aller sur son PC, sur son ordinateur là. Mais pourquoi j'ai fait ça? Quoi ça me sert d'avoir fait ça? Alors je suis content, visiblement c'est un octogone qui est meilleur que le mien. Je suis désolé, hein. Je vérifie encore la soluce. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de fouiller le bureau. Visiblement, il y a des CETEC à l'intérieur, et ça m'intéresse. C'est des sous-sous. Moi, j'ai besoin de sous-sous. Voilà, 200 CETEC, effectivement. Vous pouvez aussi utiliser l'espace dans le bureau de... Ouais, on s'en fout. Partez pour Kalizar. Ah, je dois aller à Kalizar alors. Pourquoi? Je dois aller dans le Harvest Bar. Mais je comprends pas. Où est-ce que je... Pourquoi je dois aller au Harvest Bar, quoi? Putain. Mais pourquoi il m'aime pas ce jeu, en fait? C'est juste ça qui... Je vais regarder parce que je dois avoir un inventaire ultra rempli là. Grand medikit. Sneak de Den. J'ai jamais pu le faire réparer. Octogun, voilà. Ah ouais, j'ai un octogun et un decagun. Je suppose que l'octogun est mieux. Je peux ranger mon decagun. J'ai des balles, je crois, de decagun. Ah non, c'est du double wavers. Talisman de Télis, je sais pas à quoi ça sert. Le tract de propagande, hop, on s'en fout. Carte de visite de Den. Pardon. J'arrive à charger le live, quoi. J'arrive pas à charger le live. C'est ouf. Bon, je m'excuse, encore une fois. Pardon. Voilà. Encore une conspiration de Twitch, ça, ouais, je suis sûr. Les Illuminati, tout ça, ils sont dans le coup. Alors, ah, mais attendez, c'est vrai. J'ai un truc... Normalement, j'ai... J'ai un menu qui me dit à peu près où je dois aller. Non, là, c'est la carte. Ah, note d'Anissa. Ce code pourra sûrement m'être utile. Le quatrième de la deuxième, le troisième de la cinquième... Je sais pas ce que c'est... Le code pourra m'être utile. Note utile où? Je crois aussi que j'avais vu. J'avais vu un truc. C'était genre avoir une astuce, je crois. Pour ça, il fallait trouver les. Il fallait trouver les points de sauvegarde. Je vais regarder un petit peu ce qu'il me dit. Parce que franchement, là, je bloque.
Je suis sûr que les mecs, ils ont mis ce système d'astuces parce que, justement, les mecs, ils arrivaient à rien à faire. Oh, c'est super, j'ai plus de live. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous assure que chez moi, j'ai aucun drop, quoi. Et ça me fait ça tous les soirs, c'est hyper gavant. Ah ouais, il y a lui, là. J'en fous, lui, en fait. Il sert à rien, lui, même pas. Mon bureau, c'est le bleu, je crois. Il est où, le bleu? Ça, c'est violet. Voilà. Là, on est chez moi. Indice. Moi, ça va très bien. Le live est revenu. Wouh! Bon, note d'Anissa, je vais regarder le Matsoul. Parce que je vois pas à quoi ça me sert. Note d'Anissa. Alors, je suis désolé, je me sers à mort de la soluce. Mais pourquoi? Sortez. Ouais, enfin, c'est hyper compliqué en fait. Waouh, mais les solutions, c'est que des pavés. J'ai pas le temps de retrouver le truc qui m'intéresse. Comment je fais pour rentrer chez Den en fait? C'est ça qu'il me faudrait. Je sais pas où aller, c'est ouf. En fait, visiblement, je dois retourner à Kalizar là. Ce n'est pas toi, Manu, je te rassure. Mais merci, Géo. Bah, disons qu'à force, on finit par se poser des questions, quoi. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait mon maximum pour avoir le truc le plus stable possible et que normalement, ça devrait pas faire ça, vous comprenez? J'ai vraiment fait, au début, quand je connaissais pas, c'est sûr, j'ai fait des erreurs et tout. Et j'envoyais du débit. Alors que bah, je pouvais pas, j'avais pas ce débit là. Mais là j'ai fait des tests et tout, enfin depuis normalement c'est parfait. Bon, bah, je vais voir si je peux appeler ma voiture et aller directement à Kalizar, donc l'autre zone de la ville là où j'avais trouvé des bars. Je vois pas ce que j'irai y foutre en fait. Le jeu m'a complètement perdu là. Et tout ce que je fais depuis hier en fait je le comprends pas. Alors, je sais pas, j'ai peut-être manqué un seul indice. Je pense que si je manque un seul truc, ça y est, je suis perdu. Note d'Anissa, voilà, autre chose, on s'en fout. Alors. Enfin, non, c'est Anegba, c'est ça où je dois aller? Ah non, c'est Kalizar. Retour à Kalizar, ouais, c'est ça. Ça, c'est vers Kalizar. Appartement de Den. Ouais, mais l'appartement de Den, j'aimerais l'ouvrir, j'y arrive pas. Je peux pas parce que j'ai pas ses clés. Anegba, j'ai que des trucs à... Ah ouais, je vais aller à Kalizar. Donc, je dois faire... Je peux même charger deux lives en même temps, juste... Oh, c'est complètement ouf, le progrès, quoi. Alors, en sélectionnant le Harvest Bar dans le sneak... Mais non, mais je n'ai pas, moi, ça. Pourquoi je devrais aller au Harvest Bar? J'ai pas dans mon sneak, en fait, un truc pour aller au Harvest Bar. Ah non, je suis bloqué. Ah, voilà. Putain, ma voiture. Voilà. Alors ça arrive tout le temps. La voiture a redémarré sans moi. C'est genre, j'étais trop long. Est-ce que j'aurais oublié un truc? Par exemple...
quand j'ai été voir Anissa, là. Est-ce que je devrais revenir dans à côté de son cadavre? Voilà, on va faire ça. Parce que là, en fait, je vois rien. Ah, pas Sora. Oh non, pas elle. Hey! Coucou, ma petite appa. Ça va bien? Voilà, tous ces cœurs, tout d'un coup. Non, je déconne, ça lui va pas. Je déconne, mais bien sûr. Mais bien sûr, comme si tu déconnais, toi. C'est pas ton style. Oh bah, elle va être dessus, ma petite appa. Regardez, elle fait la moue. Alors, voilà, ok, là, je suis... Ouais, ok, je suis à... À Kalisar. Qu'est-ce que j'ai sur mon plan? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, mon plan est là. Il y a des écritures qui se superposent, c'est un truc de fou, c'est magnifique. Bon, j'ai un grand sneak de Den HS. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas le... Non. Notre dossier d'archives. Il est rappelé que les notes des affaires, nanana, ça me sert à rien. J'aurais dû d'ailleurs m'en débarrasser. Notice. Ouais, non, ça non. Note des archives de police d'Omicron. Ça ne sert à rien. Échantillon du cadavre. Bah, je. Oui, c'est une. Oui, voilà. Examiner. Ça, je ne peux rien en faire. Carte de visite de Den. Domicile, voilà, app, machin, Shame Street, centre de sécurité, alors domicile. Rappelle-moi de n'importe quoi, ouais, ok, mais je... Waver, c'est quoi ça? Ça, c'est mon flingue. Talisman de Télis, on s'en fout. Ce jeu, il m'aime pas. Je reste pas longtemps, faire les cartons, ça m'a crevé, mais tu m'étonnes. Bon courage! Bon bah, est-ce que si je cherche le bar au hasard ici, dans cette grande ville dégueulasse, je vais tomber sur quelque chose en fait? Alors, moi j'ai quand même envie de retourner voir Anissa. Pas bah, de voir son cadavre. Et je sais pas, je vais peut-être trouver quelque chose là-bas. Je vais voir si je peux y rentrer déjà. Ouais, ouais, les gens ici se baladent le cul à l'heure, y'a pas de problème. C'est beau le futur. Je comprends surtout avec ta carrure. Mais vas-y, Appa! Balance-lui, Appa! Te laisse pas faire. Surtout que Tally Nation, je voudrais pas dire, mais d'après les petites photos que j'ai vues, voilà, il a pas l'air d'avoir une carrure de ouf non plus, quoi. Alors, bonjour. Ah non, merde, c'est le sex shop là. Je repars, c'est la honte sinon. Alors le bar, il est là. Ah ouais, c'est ça, le bar. Alors, je crois que c'est là qu'il y avait Anissa, en fait. Il me semble. Je suis sûr que tu es pas tellement plus grand que moi. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Exactement. La Tally Nation, c'est 1m20 de plaisir. Et encore. Bon, bonjour, rien à signaler. Ah, alors là, j'ai un petit point de sauvegarde. Ouais. Est-ce qu'ils ont déplacé le corps? Est-ce que vous pensez qu'ils se sont rendus compte qu'une de leurs danseuses était morte? Voilà. Et elle était là. Ah oui, il y a une vieille tache de sang, mais il n'y a plus le corps. Je ne vois pas quoi faire avec ça. Ouais, effectivement. J'avoue. Bon, bah là, il n'y a rien. Ça, c'est un poster, on s'en fout. Rien à signaler. Je n'ai aucune raison de faire ça. Quoi? Là, c'était le coffre. Mais je l'ai vidé. Hey you, Kawette! Ça va bien? Oui. Et là, c'est quoi? Ça, je peux pas y aller. C'est fermé, évidemment. Ouais, il me déprime ce jeu, quoi. C'est fermé. Mais j'aime bien l'indice. En plus, c'est pourrave. Je veux dire, quand on cherche dans les enquêtes, l'indice, il dit ça.
la note d'Anissa. C'est la note que j'ai retrouvée juste dans la pièce que je viens de visiter. Et visiblement, ça s'utilise dans l'appartement de Dan. Et pour avoir l'appartement de Dan, faut avoir ses clés. En gros, c'est pas la chose que je dois faire là tout de suite. 1m80 et bim. Non, j'y crois absolument pas. Non. Oh, cet accueil. Oh, ta petite voix qui a changé, Manu, le fervé, que ça fait des effets. Ça va mieux. Ça va quand même mieux, oui, je te remercie. Alors, je me mouche toujours aussi souvent, mais bon, allez. Et je me sens moins fébrile quand même, là. Un petit peu plus énervé par le jeu, ceci dit. Mais je vois pas quoi faire, quoi. Si je parle à lui, là, il va vouloir me vendre des boissons, c'est tout. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Oh, que t'es beau gosse. Vous avez lui, c'est un cosplay de panda qu'il a, regardez. Trop beau. Magnifique. Bah voilà. Ah, attendez, il y a un truc là, il y a un truc. C'est quoi ? Pub Banque Centrale d'Omicron, on s'en fout, mais complètement. Eh, ah, il y a un truc là aussi. Concert The Dreamers. C'est quoi? Examiner. Le groupe musical non homologue. Voilà. Sera en concert au. Voilà. Entrée libre. Attention, nos clients sont informés que le groupe est classé groupe musical subversif non conforme de classe 3. Par le ministère de l'art. Merde. Ok, bah si tu veux. Est-ce que je... Hey ! Alors, je l'avais expliqué, il y a David Bowie dans ce jeu. Et je sais qu'on peut voir des concerts de David Bowie, mais que c'est complètement facultatif, en fait. C'est juste des cinématiques, comme ça, où ils ont numérisé son visage. Et on peut le voir chanter et tout. Donc si ça se trouve, c'est ça que je viens de trouver. 1m80, je te dis. Il n'y a aucune chance ! En vrai, 1m60, aucune chance ! À mon avis, il y a des photos de moi qui ont fuité. Non, pas du tout. Moi, je ne t'ai pas vu. Mais j'ai vu des photos de toi avec des écharpes et tout. Ils en disaient long, déjà. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Bah voilà, on va aller... Putain, mais il n'y a que des boîtes dans cette ville. Des boîtes, des bars, des trucs de striptease et tout. Salutation lance un regard suspect à Vitaloun. Non, Vitaloun ne nous a rien montré. Je te l'assure. Oh, mon Dieu, regardez. Regardez-moi ça. Avec les posters et tout. Comment ça va, mec? Choisis une cabine. Il y a les plus belles filles d'Omicron aussi, elles dansent à poil pour toi. Merci pour le conseil. Ouais, mais en fait, je m'en fous. Désolé, les gens. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. En vrai, je fais 1m95. C'est vrai. Faut savoir qu'à Passera, elle fait du basket et tout. Putain, mais elle est dégueulasse, cette ville, quoi. C'est de la luxure partout, en fait. Là, il y a un bar, encore. Parce qu'il y a un bar tous les 2 mètres. Évidemment, il y a un bar avec des posters dégueulasses. Club de strip. Alors, bonjour. Ouais, mais non, mais ça, c'est toujours les mêmes trucs, quoi. En fait, ces bars-là, il y en a 10 dans la ville. Ah oui, là, c'est les toilettes. Et quand je dis qu'il y en a 10, c'est les mêmes à chaque fois, quoi. Ce qui fait que... C'est pas des lieux intéressants pour moi. Alors, faut savoir, Tally Nation, que même sous la menace, Vitaloun ne parle pas. Je lui ai dit qu'un jour elle se réveillerait avec la tête de son poney à côté d'elle dans son lit. Et elle m'a dit bah vas-y, fais. Donc voilà, impossible d'avoir une photo de toi. Elles sont bien protégées, Vitaloun c'est une banque. Tu ne vois pas que tu bloques le passage, putain je dois aller où, sérieux quoi. Enfin, sur la soluce ils disent d'aller dans un bar ici. Le truc c'est qu'ils disent que... Sélectionneur, on va se barre. Ils disent que c'est dans le SNIC. Le SNIC, c'est mon appareil qui me dirige automatiquement. Et faut savoir que moi, je ne l'ai pas dans mon SNIC. Donc je sais pas où il est, ce bar.
Montez des plans inclinés, passez devant le Harvest Bar. C'est une librairie. Ah, attendez. Ouais, mais est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire? Alors, je dois trouver une librairie en fait. Moi, j'ai une photo de Tally Nation sous la douche tout nu. Ah, toi aussi, celui-là! Ouais, je l'ai aussi, celle-ci. Avec Lex, on fait des échanges de photos de Tally Nation à poil. Voilà. D'ailleurs, Clex, est-ce que tu as... J'ai Tally Nation en train de jouer au tennis à poil. Est-ce que tu veux me l'échanger contre une des tiennes? Il me semble que tu en as des intéressantes. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? Est-ce que c'est encore une boîte dégueulasse et tout? Je sais pas. Alors moi, je cherche une librairie. C'est quoi? Bienvenue chez Fouille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux? On m'a dit que Fouillon n'avait pas son pareil pour réparer un sneak endommagé. Ah, c'est là qu'il fallait aller. Oh, punaise. En deux secondes, les gens. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais tellement. Tellement. Mais tellement. Tada! Attrapez-les tous, les tout nus. Non, non, juste les Tally Nation. Hein. Les photos Tally Nation, c'est comme les cartes Pokémon, exactement. Il y a les albums Panini aussi, voilà, faut les coller. Ouais, toute ma page de photos de Tally Nation est remplie. Au tennis, au pénis, tu veux dire. Ah non, mais on les voit. Alors, on m'a dit que tu n'avais pas ton pareil pour réparer un sneaker endommagé. Mauvais état. Je peux peut-être récupérer certains objets de l'inventaire, ça te suffira? Ça me va. Et ça me coûtera 400 CTEC. Alors, je vais essayer de... Je vais essayer de voilà, 400 CTEC, mais mon dieu, mais c'est le prix d'un sneak tout neuf. Ton sneak est en très mauvais état, très mauvais. Ou alors tu veux réparer et tu payes, ou tu veux pas et tu jettes à la poubelle. En gros, bon bah tiens, prends tes 400 CTEC. J'ai transféré les objets du sneak endommagé dans ton sneak. Si tu as besoin d'électronique, viens voir Yuan. Tu veux voir plus, viens voir Yuan, je suis le meilleur et le moins cher de micro. Putain, 400 CTEC quoi, mec. Qu'est-ce que je peux t'acheter? Double Weaver... Ah non, mais non, poster érotique? Mais il y a des posters érotiques partout. Train Scan Something, je sais pas ce que c'est. Je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi. Ça m'intéresse. Et là, il y a un truc, là aussi, on dirait. C'est quoi? Publicité de l'entraînement, on s'en fout. Je vais mettre des choses dans mon inventaire. Putain, j'ai l'impression d'avancer, ça me fait plaisir. Coucou les copains, salut Ikipaille. Ça va? Et t'endors pas, hein, ce soir. Très... Alors ça, je vais regarder ce que c'est. Carte de police d'Eden. Carte de police d'Eden? Attendez, je vais regarder ça. Ça veut dire que je peux rentrer dans son bureau, ça. Note dossier d'archives. Voilà, ça, je vais le mettre dans mon inventaire. Talisman de Talis, je sais pas ce que c'est, punaise. Note archive de Micron, voilà. Note de... Voilà. Grand Medikit, carte de police. Alors, ouais. Je vais regarder aussi ce que je viens d'acheter. Trendscan. Cassette Trendscan Audio Something. Je sais pas ce que c'est. Je pense que je dois trouver un magnétoscope du futur. C'est quoi ça? Un prospectus tournoi de charamel ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Je suis sûr que vous n'avez pas celle où je casse les briques avec mon marteau. Moi j'en ai une où tu casses des choses, des noix avec tes fesses. Pff, trop beau. C'est Clex qui me l'a échangé. Ah, elle a... Elle est collectionneur et elle appartient à un collectionneur en Inde. Ok. Salut, salut, salut Big Braz. Comment que ça va? Je vous laisse. Ma partie de Zelda m'attend. Des bisous à Passera, merci d'être passé. Et bah, bon courage pour tes cartons. Et pour tes poules dans Zelda. Voilà. Moi ouais, je conseille à tous ceux qui ont un Zelda de taper sur les poules. Allez-y, vous allez voir, ça fait des choses. Donc à Passera, je te conseille. Tape. Vas-y, tape dessus à fond. Normalement, ça déclenche une surprise. C'est quoi ça en fait?
C'est encore un truc dégueulasse. Bon, allez. Est-ce que ça vous intéresse, puisque je suis ici, qu'on aille dans la boîte de strip et qu'on regarde ce que c'est? Si vraiment il y a des... Si vraiment je vais faire striker ma chaîne. ou alors on continue l'aventure. Hein. Non, tapez pas sur les poules. Il faut taper sur les poules. Il faut. Ah, merci pour le delete message. Alors, attendez, c'est où? C'est là? Non. Allez, on va regarder quand même. Ah ouais, une carte où je tape sur les poules. Avec quoi? Putain, ça s'appelle de la zoophilie, Satalination. C'est interdit. Merci d'être passé. Ah, Clex, mon modo d'amour. Bon, je crois qu'il est ici le mec tout chelou là qui propose de voir des filles à poêle. Allez, on va regarder ça. Ah ouais, c'était là. Je suis curieux de voir ce que le jeu peut faire. D'ailleurs, j'aime beaucoup les portes. Il y a une poignée sur le côté, mais en fait, les portes, elles s'ouvrent comme ça en hauteur. Bon, ça va, mec. Ah, merci pour... Mais ça veut dire que je peux rien faire? Ah si, d'accord. C'est quoi, en fait? Ah, c'est des... Ah, attendez, on va regarder elle, là. Bonjour. Il n'y a aucune raison de faire ça. Ah bon. Ce corps a bien plus d'arguments que le mien. Ah, j'avoue, j'avoue, mec, t'es moins sexy qu'elle. Putain, cette tenue, quoi. Alors, on va choisir celle-ci, la seconde. Bim. Il y a un monnayeur, ça coûte 17 ek. Allez. Oh merde. Oh, comment c'est moche. Oh, c'est tellement moche. C'est tellement moche. J'arrive au bon moment du jeu. Ouais, je sais pas. Si vous avez envie de dégueuler, allez-y. Eh, mais attendez. On dirait Anissa. Oh putain, c'est le même skin qu'Anissa. Anissa, elle s'est fait tuer, hein, juste comme ça. Vous avez vu, on peut voir les autres pervers, là, qui sont dans leur box. Bon, bah voilà, ça valait le coup de payer 17 ek, hein, je suppose. J'ai vu des pixels en string se dandiner. Je suis trop heureux. Ma vie est réussie. Bon, ah oui, regardons aussi ce que j'ai ramassé. J'ai la carte de police de Den. Oh putain! Alors ça, c'était dans son CTEC. C'est génial, parce que vous savez quoi? Je vais rentrer dans son bureau, en fait. Et je me sens débloqué du jeu. C'est beau. C'est beau. Un striptease de polygone. Ah, je suis ouf. Du cul dans un jeu caca, c'est presque de la scatophilie. C'est du cul caca. Cul. Salut, cher Fangirl, tu arrives au bon moment. Ça va bien? Ça pique les yeux, j'avoue. On est dans le magasin de Vitaloon. Mais non, le magasin de Vitaloon, on y a été tout à l'heure. C'était le sex shop. Franchement, la musique de jeu est chiante. Bah, c'est toujours la même, en fait. C'est un petit peu le problème. Ouais, j'aimerais trouver le fameux endroit où ont lieu les concerts de David Bowie. Mais, voilà, dans ce jeu-là, il semble qu'il faut tout trouver au hasard, quoi. Allez, vas-y, mec. Bref, voilà. Et pendant que... Voilà, pendant que le taxi, enfin du moins ma bagnole va... Hey, Harvest Bar! Ah bon? Si tu veux. Appartement de quel? Pendant que la voiture va m'emmener... Attendez, je vais quand même essayer quelque chose. Voilà. The Dreamers. Examinez. Un Dreamer sur un concert. Oh. Alors c'est à Kalisar. Alors Kalisar, c'est là où je suis. C'est ça. Parce qu'en fait, ça, je pense que c'est en fait David Bowie, quoi. Et j'aimerais voir quand même ce qu'ils ont fait avec lui. Voilà, Kalisar, c'est là. Est-ce que c'est le Harvest Bar, en fait? Désolé.
C'est lourd, je sens que je vais m'endormir. Allez, je vais aller au Calice Bar. Si ça se trouve, c'est là-bas. Non, Harvest Bar, pardon. Hop. Bon, je vous laisse. Je vais jouer au jeu trop kawaii que j'ai acheté. T'as acheté quoi, Tally Nation, avant de partir? Alors, Calice Bar, il est par là, normalement. Non, pas Calice. Putain, pourquoi je dis Harvest Bar? N'oublie pas de me raconter traître. Te raconter traître? Mais te raconter quoi? Il va jouer au jeu. À moins que vous nous cachiez des choses. Grand contrôle de mes talents. David Bowie. Le meilleur client, c'est Bahama. Ouais, j'avoue. Mais faut dire qu'elle est... Elle est bien... Comment dire? Elle est bien achalandée, Vitaloon. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que c'est le Harvest Bar, ça? Ouais, mais non, mais là, c'est un bar... Eh, c'est quoi? Mais non, en fait, c'est pas un bar chelou. Je crois que c'est ça, David Bowie, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, je vous avoue qu'avec le temps, il est difficile à reconnaître, mais vous avez là la modélisation presque parfaite de David Bowie, regardez. On voit ses yeux verrons, c'est trop beau. Et normalement, enfin moi je l'entends pas, je vais monter le son. Hein. Mais voilà, David Bowie a enregistré plusieurs chansons pour ce jeu-là. Je crois qu'elles étaient d'ailleurs en avance sur son album qui sortait au même moment. Enfin, il y avait un truc comme ça. On pouvait les avoir, voilà, en exclusivité, on pouvait entendre ces chansons-là dans ce jeu. D'ailleurs, on dirait que David Bowie porte un string. Même le mec à côté là qui vient, il fait « Oula, putain, qu'est-ce que tu portes, mec ?» Voilà. Et moi, c'est sérieux de quoi? Non mais putain, mais Big Brass quoi. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Oui, David. Mais je comprends plus ce qui se passe. Le mec sans pression, il écrit Tally avec un Y. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, Tally. Tout le monde te prend pour une fille, je veux dire. Voilà, qu'on t'écrive avec un Y ou pas, c'est pas très grave en fait. Bah voilà. Et enfin, faut savoir que c'est un argument du jeu. C'est le fait que David Bowie était devant. D'ailleurs, je crois bien que David Bowie, il est mentionné sur le truc, non? Au-delà de cette frontière, non. Ah oui, David Bowie, il est quand même à la... Ah, voilà, il est à l'arrière. On voit une photo, il y a marqué « Musique composée et interprétée par David Bowie et Reeves Gabriel, que je ne connais pas. » Donc voilà, je vous montre. Hein. Hop. Ouah, voilà, oui, c'est comme ça, en fait. J'essaie de vous montrer le visage de David Bowie. Regardez comment c'est beau. Le voir. Voilà. Bon allez, ciao. Ciao, Taline. Tu m'as pas dit à quoi tu jouais. Le coca, c'est dégueu. En plus, c'est la bouteille. Il y a plus de respect. Mais comme je suis malade, en fait, c'est bien. Le coca, c'est presque un remède, en fait. Donc j'ai pris du coca exprès. Sinon, normalement, j'en bois pas. J'avais oublié que Tali était un gars. Mais je peux tout le monde oublier. Ce jeu est glauque, j'aime ça. Y a pas de chat, je suis désolé, Sherlock, dans ce jeu. Le Brescola, c'est mieux, ouais. Comme le... Le Brestella, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le Nutella breton, qu'ils ont fait, avec du caramel au beurre salé. Je vous le dis, les bretons, ils vont conquérir le monde, quoi. Les envahisseurs. Faut tous les détruire avant qu'il ne soit trop tard. Mon Dieu, y en a un là. Tuez-le. Ah, qu'est-ce qu'il devait... Ouah, putain. Et vous croyez qu'elle était d'accord, David Bowie, pour porter un string, quand même, lors de ce concert? Vous pensez que David Cage lui a dit « Hey, mec, merci de nous avoir donné ton visage et tout. On va te mettre un petit string, forcément. » Parce que je suis désolé, hein, il a pas de pantalon, là. Il a un string. Il a les cuisses à l'air et tout. Ah bon, voilà, je sais pas. Peu grâce, tu iras en enfer. Ah, Sherlock, j'aime bien.
Genre Fangirl. Ah, en fait, Sherlock, tu as trouvé mon Facebook comme tu m'avais demandé? Parce que tu m'as demandé hier et je m'attendais à ce que tu aies avoir une invitation, j'ai pas eu. Trop tard, on est déjà partout. Voilà, mon dieu, c'est l'invasion. On peut pas quitter parce que c'est chiant. Ah non, mais c'est la fin. Je peux pas quitter en fait, je suis désolé. Hein. Tu es sûr que tu aimes les fast-food? Ce truc pourrait passer sur Arte. Ça y est. Est-ce que je peux avoir une dédicace? Bonjour. Je ne comprends pas. Alors attendez. Mais en fait, c'est un robot le mec? Bon, bah très bien. Oh mon dieu. Oh putain, mais c'est tellement moche. C'est ouf. C'est ouf. Bah tant pis, allez. Allez, je vais aller dans le bureau de Den. Voir si je peux pas trouver les clés de son appart, c'est ça qui m'intéresse là. Alors. On va appeler la petite voiture. Mais je n'ai pas de voiture. Et c'est parti. Hop. Voilà, la petite voiture. Maintenant ça. Donc centre de sécurité. Après normalement j'ai l'adresse du de l'appartement de Den que j'ai obtenu auprès d'Anissa, donc pour ça, aucun problème. Non, j'ai pas trouvé. Nom, prénom. Je t'ai envoyé hier en... Je t'ai pas envoyé, parce que sur Facebook, j'ai pas mon nom, prénom. Mais hier, je t'ai envoyé un message privé, Sherlock. Et c'est... Oui, c'est ça, normalement, tu dois le trouver. Ou alors, si tu veux, tu me le donnes toi en message privé. Et je t'ajouterai tout à l'heure. Et Dieu créa l'alcool pour que les Bretons ne soient pas les maîtres du monde. Et Dieu créa l'alcool pour que les Bretons ne soient pas les maîtres du monde. Et attention, ils vous auront un coup de... À coup de bignou. Non, non, mais moi je pense que le moyen le plus efficace que les Bretons soient les maîtres du monde, c'est que Beck Braz fasse, écouter ses musiques pendant les Song Request. Meilleur moyen au monde pour vous tuer. Pauvre Beck Braz. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas eu de phase FPS de merde là. Et normalement avec le gun que j'ai, qui est un peu plus efficace, je devrais un peu mieux m'en sortir. Alors, le bureau du commandant Gunther, le Den de Len, il est là. Alors le Den, c'est le rouge. Non, c'est pas celui-là. Ok, bureau rouge, putain, il est où? Ah, voilà. Ça fait 10 fois, je crois, que j'essaye de rentrer dans son bureau. J'y arrive pas parce que j'ai à chaque fois pas le truc qu'il faut. Là, j'ai sa carte, quoi. Alléluia! Bon. Alors, c'est marrant, tous les bureaux se ressemblent. Hein. C'est les mêmes casiers, c'est la même flante et tout. À chaque fois. Un petit peu feignant, les gens sur ce jeu. La secte des veilles. Ah, merde! Ah, Den, alors toi aussi tu étais un éveillé. Alors, j'ai trouvé un mouchoir. Je suis désolé. Ah, mais je suis tellement pris, quoi. Ah, ok, je regarderai plus tard mes messages privés. Mais en fait, non, mais je l'ai envoyé ici sur le chat. Tu sais, on peut maintenant chuchoter sur le chat. Sinon, je le referai tout à l'heure. Tiens, attends. Pouic. Pouic, voilà. Je crois que c'est une cabine de douche opaque. Non, non, les cabines de douche, on les a vues. Et non, c'est presque ça, remarque. T'es pas loin. T'es pas loin du tout. Alors, message griffonné. Examiné. Un message griffonné, on dirait l'écriture de Den, il est écrit « Derrière le tigre se dissimule la vérité ». On dirait presque un dicton chinois. « Derrière le tigre se dissimule la vérité ». Alors, il était bizarre le Den, je sens. Hein.
tous les agents ont pour mission d'intercepter les terroristes se faisant appeler les éveillés. Cette secte véhicule des croyances ésotériques non conformes et des idées subversives anti-gouvernementales. Ils effectuent des missions terroristes dans le but de déstabiliser l'opinion. Ces individus sont dangereux et doivent être stoppés par tous les moyens. Ah bah finalement, c'était peut-être pas un éveillé, mais je pense que si en fait. Parce que visiblement, il trafiquait avec, avec la fille qui s'est fait arrêter là, et je pense que... Je pense qu'il était trempé parmi les... La secte en fait. Voilà, clé de l'appartement de Dan. Ta-da-da-da ! Ça, ça fait du bien. Est-ce que je peux regarder son PC un petit peu ? Rien d'intéressant. Bon, bah très bien. Très très bien. Eh ben, on va aller à l'appartement de Dan. Comment ça va, Kay ? Ouh ! C'est qui, lui ? Je connais pas, ce gars. Tu es du nouveau sur la mode de Dan. Je crois que le meurtrier est un policier. Je crois que c'est un démon qui a tué Dan. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances ? Pas encore, mais je m'en ruine très bientôt. Pas encore, mais j'espère en trouver une dans l'appartement de Dan. On va lui dire que je l'aurai très bientôt. Je vais pas donner trop d'indices, en fait. Merci, Tariq. Ils sont faits pour ça. Bonne chance, Kay. Ah, toi, je te sens pas, mec. Je suis sûr que tu vas me trahir, je sais pas quoi. Je te sens tellement pas. Bonjour. Ok. Plus le gars qui vient me parler alors que c'est la première fois que je le vois, quoi. Ça y est, je suis arrivé ? Ah, les ascenseurs les plus rapides du monde, quoi. Oh ! Il faut que tu rentres. J'ai pas le temps de t'expliquer. Viens tout de suite à l'appartement. Je t'en prie, il faut que tu viennes. Oh merde ! Vite ! Si ça se trouve, en fait, c'est timé. Faut que je me dépêche et tout. Alors, l'appartement... Allez, vite, ouvre-toi, porte. Je cours contre toi, là. Le mec a un trou dans le crâne. Mais non, c'est son casque. Voilà, il y a le comment dire, le chara-design un petit peu particulier du jeu. Hein. Non, comment on faut faire déjà? Ah oui, appartement de Kayle, vite. Alors là, comme le cas de vidéo. Putain de merde, ça marche. J'y crois à l'hypnose, au début j'y croyais pas, j'ai regardé une vidéo. Ah oui, d'accord. Bah, je crois que l'hypnose, c'est une science reconnue maintenant. Hein. Après, je suis pas sûr qu'on puisse te faire n'importe quoi sous hypnose. Mais visiblement, ça marche, en fait. Elle est vite! Elle est en danger! Eh non, mais non, mais tu refermes pas la porte. Terminal de contrôle est à droite, oui, je sais, je l'ai vu. Si ça se trouve, elle va mourir, sa femme, quoi. Je me demande si, en fait, comme Ivy Rain, Beyond et tout ça, je peux influencer sur l'histoire. Et si ça se trouve, je peux la sauver, ou je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Message de Télis. Rejoins-moi tout de suite sur le toit, fais vite mon amour. Sur le toit ? Bah je dois reprendre la porte alors, non ? Y'a rien de particulier. Ah ouais. J'aurais peut-être dû sauvegarder en fait. Attendez. Je vais vérifier un petit truc. Est-ce que je peux m'équiper avec le flingue que j'ai là ? Caractéristiques, énergie, identité. Identité, on s'en fout. Caractéristiques. Ah non, je peux pas. Ça, alors attendez. Message. J'ai trouvé tout à l'heure l'octogone. Est-ce que je peux m'en équiper ici ? Genre, je fais utiliser. Ça ne marche pas. Je sais pas comment ça se passe. On peut déjà arrêter de fumer sous hypnose. Oui ! Je sais. Ça, on m'en avait déparlé, en fait. Il paraît que ça marche, ouais. Elle est où? Putain, ça craint pour sa copine, là. Elle est où? Elle est là. Télis, que s'est-il passé? Oh, Kayle,
Il disait qu'il voulait ton âme. Viens, je t'en prie. Prends-moi dans tes bras. Oh, punaise, ça sent le piège. Prends-moi dans tes bras. Ah oui. Prends-moi dans tes bras. Oui, c'est pas bon. Hop. Oh mon dieu, elle est en train d'évoluer. C'est devenu un Pokémon. Bon. Bah, je vais devoir lui... Oh punaise. Baston. Oh merde, mais j'ai plus de vie. Spamage de bouton. Spamage de bouton, j'ai plus de vie. Oh punaise, j'ai de la chance, j'ai réussi. Oh merde, faut que je me redonne de la vie, quoi, c'est urgent. Apparemment, bah là, en fait, faut l'obliger à en faire. Pourquoi ? Viens dans mes bras. Ah oui, moi, pour la ASMR, j'avais pas vu. Ah. Vous voulez que je fasse de la ASMR ? Moi, j'ai des absences, des fois. Je secoue la tête, ça va mieux. Tout va bien chez Kawetz. Il y a des démons, maintenant, et c'est Tekken. Bah, t'as vu ça ? Le jeu se transforme en jeu de combat, quoi. Alors, il faut que je me soigne. C'est vraiment un jeu de combat, c'est ouf. Je trouve ça malsain, les ASMR. Et moi, je... Il y a juste un ASMR que je trouve cool. C'est ceux avec les bruits, là. C'est... Je l'avais déjà expliqué, mais c'est les mecs qui prennent des papiers comme ça. Voilà, il a un micro qui capte tout. Et je sais pas. Ça fait quelque chose, c'est vrai, je dois reconnaître. Donc je dois prendre... Ah, le grand Medikit. Poke. Parce que... Où est-ce que je peux voir ma vie, en fait? Ah ouais, l'énergie, c'est ça? Attaque, 80... Maîtrise du combat... Alors, en fait, non, j'ai... Je suis pas à fond, là, dans mon énergie. Tu dois bouffer un truc? Ouais, talisman de Télis. Échantillon de cadavre... Est-ce que je peux manger l'échantillon de cadavre? Je ne crois pas. Bon, bah, je crois que j'ai perdu ma copine. Ah, attendez, il y a un anneau, là. Hop, 5 anneaux magiques. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai aucune idée de l'utilité de ces anneaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai perdu ma copine, ça y est, elle est morte. Qui es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Qui es-tu? Allez, on va faire les présentations. Je t'ai fait venir car j'ai des choses importantes à te dire. L'homme qui faisait des bruits avec des objets inutiles présents sur son bureau. Mal rangé. Il est très bien rangé, mon bureau. Il y a juste une tonne de bordel sur mon bureau. Sinon, c'est pas grave. Je vais arrêter, je m'inquiète pour mes absences, des fois. Mais non, c'est pas grave. Tu secoues la tête, c'est passe. Tu as tué quelqu'un durant ces 2 derniers jours. Alors. Parle, je t'écoute. Que me veux-tu? Qu'as-tu d'important? Bah parle, je t'écoute, vas-y, c'est pareil. Je suis venu te prévenir qu'un terrible danger menace ta vie. Je parlais pas de toi, mais vu ce que tu dis... Oups. J'en ai trop dit. Je comprends pas le délire avec Brad Pitt, je le trouve très moche. Ok. c'est quoi alors le beau gosse pour vous? Tiens, si je peux avoir un avis féminin là, un petit peu là, comme ça. C'est qui? Brad Pitt est super dans Snatch. Regarde comment t'écris mon pseudo. Attends, qu'est-ce que... Big Brad. Le beau gosse pour nous, Manu. Bon, quel danger me menace? Qui menace ma vie? Quelle importance si je meurs, tout ça n'est qu'un jeu vidéo, c'est marrant. Bon, on va dire quelle menace. Les démons te cherchent. Ils veulent ton âme. Tu leur as déjà échappé plusieurs fois, ils sont fous de rage. Très bien. Pourquoi veulent-ils mon âme? Que la chair pour son et mon âme? Pourquoi ils veulent? C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Les démons puisent leur pouvoir maléfique dans les âmes des gens. Plus ils ont d'âme, plus ils sont forts. Ils rapportent les âmes à leur maître Astaroth. Et elles sont alors damnées. Astaroth, ça. Alors tiens, je pense que si je demande à Big Brass, par exemple, qui a quelques notions là-dedans, ça existe, Astaroth.
C'est un truc réel, ça, démoniaque et tout. T'auras le droit à une autre photo de Lama, tiens. Je vais avoir une... des deep poops de Lama, merci. Pourquoi les démons viennent chercher les âmes dans ma dimension? Parle-moi du jeu vidéo Omicron. Ah, oh, j'ai envie de lui dire ça, allez. Le jeu vidéo Omicron est un piège créé par Astaroth lui-même. C'est un appât pour les âmes. C'est génial, le jeu en fait implique le joueur dans, dans l'histoire, quoi. Donc il brise un petit peu le quatrième mur, je trouve ça cool. Que m'arriverait-il si un démon prenait mon âme? Que dois-je faire pour sauver mon âme? La première chose à faire est de détruire la porte que les démons ont créée entre ta dimension et la nôtre. Libère ton esprit, Rouquin. Sinon, d'autres joueurs seront pris. Manu sort son t-shirt pour vous. Et les démons deviendront si puissants. Prends ça pour le live d'Halloween. Ou alors quand je voudrais fermer ma chaîne, c'est... Yeah! Astaroth, je crois que c'est le démon de l'étoile, je sais plus quoi. Je connais pas trop les serres démoniques. Je sais qu'il y a un truc en vrai avec ça. Que dois-je faire? Merci, Big Braz. Que dois-je faire pour détruire la porte? Astaroth a confié la garde de la porte à un de ses lieutenants. Il te faudra tuer le gardien pour la détruire. On va tuer le gardien, très bien. Je vais lui faire un duel de Tekken, il va rien comprendre. Quel démon gardant la porte? Gandar est le gardien de la porte. Gandar. Que dois-je faire pour détruire la porte? Dans le bureau de Gandar. Il te faut un bâton de putain, ça commence à devenir lui seul est capable bizarre. De ralentir l'œuvre du démon. En fait, c'est exactement ce que j'avais reproché à Fahrenheit, du même studio à l'époque. Ça commençait comme une enquête classique, et en fait, ça finissait par être totalement paranormal, quoi. Et j'étais déçu de ça. Moi, j'aurais préféré que ce soit une... Ça reste une enquête humaine et tout. Bon, bah, si vous voulez. Le bureau de Gandar est bien gardé, comment je pourrais-je y accéder? Où trouverais-je ce bâton de pouvoir? Un moine Yeshu t'attend devant le supermarché de la zone. Non, putain, je dois chercher des moines dans le supermarché de la zone 9, mais sérieux. Signe des éveillés, et il te conduira à quelqu'un qui pourra t'aider. C'est quoi, signe des éveillés? Le bureau de Gandar est bien gardé, comment je pourrais y accéder? Le seul moyen pour accéder au bureau de Gandar... Passer pour lui l'aération entre la salle de ventilation et le centre de sécurité. Ah merde! Pourquoi me dire tout ça? Tu es dans quel camp? Pourquoi m'avoir choisi moi? Tu as montré que tu avais le courage d'affronter les démons. Tu es aussi la seule âme d'une autre dimension à avoir survécu dans notre... Tu nous feras un twerk comme ton requin. Ah, tu as vu la rediff? Ouais. Mon shark twerk. Un striptease, tant qu'on y est. Peut-être pas pire que celui du jeu. Fahrenheit, j'ai trouvé ça super. Ouais, il était bien, Fahrenheit. Le problème, c'est ce que je disais, c'est... J'aurais préféré que ça reste une histoire... logique, tu vois. Ça s'explique pas par des démons, je sais pas quoi. Hey, mon petit squalou d'amour! Un striptease. Oui, je te stalk. Second bisou. Alors, pourquoi te ferais-je confiance? Qui me dit, toi aussi, que tu n'es pas un démon? Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Fais-moi confiance. Tu n'as vraiment... Tu n'as pas vraiment d'autre choix. Eh, d'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à vous dire, c'est que... Grâce au circadage que vous avez vu mercredi dernier sur le live, qui m'a accompagné pour le live de Helldivers, oui, à poil, ça va pas, les gens, et ben je vais pouvoir avoir bientôt mon nouveau boîtier d'acquisition, et je vous prépare des super lives grâce à ça. Je suis super content, en fait. Donc, normalement, en meilleure qualité, et... En plus de la qualité, et bien plus de choix de jeu en fait, parce que je vais pouvoir streamer plus de consoles. Donc, est-ce que j'aurais besoin d'autre chose que du bâton de pouvoir? Oui, ça m'intéresse. Pour entrer dans l'entrée du grand, tu dois connaître le code de sa porte. Gandar a commis une imprudence de l'oublier sur le lieu d'un de ses meurtres. Mais il est con, Gandar! Attends, quoi? Attends, hein? C'est que le mec, il a écrit son code sur un papier ou je sais pas, parce qu'il est très con. Il l'a oublié. Heureusement que mon kilt sera pas plus court, sinon je devrais porter un slip. Ok. Allez, Big Braz, tourne autour de toi pour qu'on voit un petit peu. Bon, bah, au moins, Big Braz a prouvé que quand on porte un kilt, bah, effectivement, il n'y a rien dessous. Comme le veut la tradition. Je n'ai pas raison de faire ça. Mais tu veux pas, genre, appuyer sur le panneau, s'il te plaît?
Espèce de con de rouquin, va. Et du coup, ma copine, elle est morte. Mais il a l'air de s'en foutre. Enfin, c'est sa femme, merde. Ils ont eu une nuit torride, hein, je vous le rappelle. C'est passé des choses. Il a aucun cœur, le rouquin. Ce qui prouve que finalement, ils n'ont pas d'âme. Je suis désolé, Begroise. Et moi, super. Ah ah, Vitaloun, tu es intéressé. Je suis le gardien des clés. Es-tu le serveur de la porte? Vous voulez que je vous fasse le cosplay du gardien des clés avec les grosses lunettes et tout? Putain, Ghostbusters, quoi. Ce film. Alors là, j'ai le choix, du coup. J'ai le choix. C'est soit je vais chez Den. Je vais aller chez Den, en fait. Soit je vais aller chercher mon bâton, je sais pas quoi. Je suis Zul. Oh, Vitaloun, la classe, elle a la ref. Vitaloun, elle a la ref. Je suis plein de trucs. Alors, ouais, je vais déjà aller... Appartement de Den. M'intéresse. Elle est où? Ah, elle est là. Je veux pas savoir où il attache son trousseau de clés. De quoi? De qui? Ah, Big Braz! Ah bah. Il a un anneau spécial. Bon, normalement, ça y est, je peux enfin rentrer dans l'appartement de Den et fouiller ses tiroirs à sous-vêtements. Oui, c'est un homme, je sais. Mais, on n'a jamais trop de sous-vêtements. Il faut une clé pour pouvoir... Ouais, je sais. Mais ça, j'ai clé des appartements de Den, vas-y. Oh, ça va, hein. C'est pas plus sale que les lamas. Tu sais que j'ai une bonne imagination. Tu m'énerves. Je devrais arrêter de dire des choses. Alors, oh, attendez, c'est quoi? Wouah, Den, c'était un mec bizarre, en fait. Oh mon dieu, il y a du sang là-bas. Eh ben, Den, il se faisait pas chier, quoi. C'est quoi, ça? Oh, c'est ma collection de fions dans mon salon. Ouais, ok, en fait, il y a eu une bataille ici, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des coffres? Non. Ouais, c'est un peu chier, là, dans l'appart de Den. On va aller dans la cuisine en premier. Histoire de se faire un petit gueuleton, là, j'ai faim. C'est vide. Oh, mais Den, quoi. T'aurais pu faire les courses, merde. Ah, il y a un truc, là. Oh, mon Dieu, un bout de pain. Vas-y, Den. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Oh. Sandwich de coupie. Allez. Alors, normalement, là, au niveau de ma vie... Putain, en fait, ça grimpe tout doucement, l'énergie. Avec tout ça, je sais toujours pas ton Facebook. Mais je te l'ai donné, je viens de te le donner par message privé, Sherlock. Ah, bon, bah, Sherlock, ou alors tu m'envoies, je te l'ai dit, toi, en chuchotement. C'est pas un message privé, c'est en chuchotement. Vous êtes dégueu, mais ça me plaît, la tradition. C'est si l'oiseau est en cage, la main est prise. Si l'oiseau est libre, vient dans mon lit. Réflexion. Un peu marron-orange, le sang. Bah, il a séché, hein, que veux-tu, Big Braz. Oh, ça va, je le trouve bien rendu. Ça fait un peu ketchup, mais bon, allez. Ah, la salle d'entraînement de Den. Ah, il y a des bruits chelous dans son appart à Den. Alors. Allons dans les chiottes de Den. Ah non, la douche d'abord. Alors maintenant, je vous l'ai dit, je fouille tout. Vu que je sais que maintenant on peut trouver des choses dans les chiottes, ben... Je m'en fous, je fouille. Alors ici, il fallait que je trouve un tigre, c'est ça? Une statue de tigre? Non, merci, de ce côté-là, tout va bien. Ok, t'as pas envie de pisser. Très bien. C'est pas une diarrhée carabinée. Peut-être que Den est toujours en vie. Il est juste vide, en fait. Parchemin de Jaffeil.
Sort de réincarnation. Oh mon dieu, Meden, qu'est-ce que t'étais en fait? Munition de double Weaver. Ou un truc comme ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait un document là sur son sur sa table. Qu'est-ce que c'est? Omicron News, on s'en fout. Ça nous met un peu plus dans l'univers, les Omicron News, mais... Photo de mariage de Den? Pourquoi pas. Et du coup, elle a revécu, la madame qui a bu un calmant de cheval? Ah, je sais pas. J'ai pas été dans son bureau. La dernière fois que j'ai été voir, elle était toujours écroulée, hein, hier. C'est fermé. Ah, ok. D'ailleurs, la madame... Voilà, on sait pas trop... Hein. J'ai mal au gibol, putain, mais bébé. Oui, je sais, c'est les gibol, c'est les jambes, je sais. Mais n'empêche, comment. Alors, photo de mariage de Den. Ah non, on n'a pas le droit de voir la photo. Par contre, j'imagine que ça, c'est un code. 9 Andar, 72 13. Très bien. Sort de réincarnation. Avec... Quantité de mana suffisante. En fait, Den, il est en vie, mais il est réincarné ailleurs, en fait, je crois. Parchemin de Jaffé, là. Oh, putain! Oh, idée de merde, quoi. Pardon. Sans... Puissant des univers... Oh, non, je m'en fous, tant pis. Franchement, alors ça... Eh, dites, alors, vous êtes capable de lire ça, franchement, je vous applaudis. Je vous épouse, même. Même si vous êtes un homme. Je dois confondre avec la Katura qui donne une trique de cheval. On l'a oublié sur son bureau. Oups, oups, mais j'ai fermé la porte. Oh putain. Eh, mais... C'est pas possible, on peut pas lire. Eh, je veux dire, il y a mon médecin qui écrit aussi mal que ça, quoi.
Je ne savais pas que Dan avait laissé ce message poignant avant de mourir. C'est si... C'est toi qui as tué Dan. C'est toi qui as tué Anissa. C'est toi qui as tué Dan. T'es plus malin que je croyais. le vieux rire, quoi. Tu es plus malin que je croyais. Vous êtes entré dans l'antre de Gandar. Mon maître mort donnait de prendre vos armes. Ah d'accord, en fait, il est à la solde de d'Astaroth, en fait, voilà. Que s'est-il passé? Après sa mort, le corps de Kayle fut envoyé dans une autre dimension pour piéger l'âme d'un joueur. Ton âme. Un de mes frères devait la récupérer dès ton retour dans Omicron, mais tu t'es échappé. Le moment est... Ok. Tu veux dire qu'Omicron n'est pas juste un jeu? Ouais. Est-ce que j'ai l'air d'un jeu? Bonsoir, j'ai toujours du mal avec ton pseudo, je suis désolé. Hein. Folcaston. Voilà. Je sais pas, mais maintenant, je vois à quel point tu es parfait. Ce sourire chauve qui peut... Ah ouais, c'est hallucinant ça. C'est beau. Oui, mais j'ai cette tête. Faites de draguer mon ami. On peut parler en gardant un sourire pareil. Je vous avoue, la technique de ce jeu, quoi. C'est juste le cliché du méchant. Qu'est-ce qui arrive avec Braz? Pourquoi ces larmes? Un jeu, tout ce que tu vois ici est réel, ta machine n'est qu'une passerelle vers notre monde. Oh mon dieu, la Dreamcast a un pouvoir insoupçonné. Ton corps est toujours dans ton univers, mais ton âme est ici depuis le moment où tu acceptes d'occuper le corps de Kayle. Ouais, wow, c'est assez cool en fait ce qu'ils ont fait avec ce jeu-là. Allez, baston! Et j'ai bien fait de le soigner. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Oh merde. Attendez, attends, est-ce que je peux faire des esquives? Ah non, je peux sauter. Oh punaise, regardez-moi ça, j'appuie sur tous les boutons. Wow, non mais la balayette de fou là. Eh mais non, mais je suis gêné par sa putain de chaise là, ou je sais pas quoi. Ah, oh, il est en train de me dérouiller. Et ben voilà. Il est mort avec son sourire de merde. Il ne fera plus de... Un homme nouveau, ouais, je le redis. Pourquoi? T'es trop proche avec le jeu du chien. Des fois, j'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe sur le chat. Alors du coup, j'insiste pas. Alors, est-ce qu'on peut fouiller le cadavre du monsieur? Faudrait que je me re-soigne, d'ailleurs. Il est où? Ah, mais il est plus là? Il a disparu! Oh, il y a un anneau, là. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, même si j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Hein. Alors, est-ce que je peux regarder à nouveau la cassette? Parce que j'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il avait amené. Ah, je l'ai plus. Passe du plan de sécurité. Oh non. Non, mais je sais pas ce qu'il m'a dit. Moi, si ça se trouve, c'était important. Bon. Alors, passe centre de sécurité. J'en ai déjà eu un, je sais ce que c'est. Plan de Den. Merci, Den. Tu m'as fait un beau dessin, j'y comprends que dalle, je sais pas ce que c'est. Un homme nouveau par rapport à ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant, tu vois? Non, je vois pas, j'ai pas changé, pourquoi Kawet? J'arrive pas à comprendre ce que tu lui dis. J'aime la conversation dégueu et bizarre. Bienvenue. Putain, mes lives vont se transformer en réunion de conversations dégueu et bizarres. Merci. Ça y est, je peux me barrer en fait. J'ai le plan de Den qui est trop bien dessiné et tout. Alors, c'est bon. J'ai toutes les armes en ma possession, quoi, pour terminer le jeu. Je viens de me déshabiller en essayant d'enfiler mon pyjama. Je m'éclate la tête la première. Oh, Big Bros. Bon.
Allez, ouvre-toi la porte, s'il te plaît. Pendant que la Dreamcast fait des... Alors, je devais aller où? Alors d'ailleurs, où est-ce que je peux aller, là, maintenant? Est-ce que j'ai des destinations qui se sont ajoutées? Alors, supermarché, je crois que je dois y aller pour aller chercher un moine. Oui. Bah si, tu as changé, je t'ai connu il y a longtemps, tu es dessus même maintenant. En te parlant, je trouve que tu as changé. Ah bon? En quoi j'ai changé? Je sais pas. Effectivement, c'est bien connu tous les deux, mais... non. Non, je veux dire, voilà. Je me suis perfectionné dans mes lives, je suis très fier de ça. Alors, note d'Anita... Je sais absolument pas ce que c'est. L'accès à la porte se trouve vers le bureau de Gandar. Alors, le seul moyen d'accéder au bureau de Gandar est de passer par les conduits d'aération. Ouais, mais là, il me faut le bâton. Un moine... Voilà. Un moine Yeshut attend devant le supermarché de la zone 9. Le signe des éveillés? Mais c'est quoi, le signe des éveillés? Alors, c'est pas grave. Je vais... Hop. Je vais voir, et puis sinon, je lui démonte sa gueule au moine. Quoi? J'aime bien les réactions de Kale, comme ça, pour rien. Quoi? Essayez d'enfiler un froc sans vous baisser ou tordre, vous allez mourir de rire. Bah, tu fais comme le mec qui sautait dans son slip. Il y a un record pour ça. Bah, je trouve que tu as changé, le temps passe. Les choses sont vues différemment, je pense que je dis. Oui, mais j'aimerais savoir en quoi, en fait. En quoi j'aurais changé? Sans vous baisser ou tordre. Alors, le supermarché, il est là. C'est un moine, ça? Non, je crois pas, hein. Dans mon monde, on appelle ça une pute. Bonjour. Ah, lui, peut-être que c'est un moine. Savez-vous où je peux trouver une armurerie? Il y en a à Negba, je crois. Mais... Je vois pas que je bloque le passage. Connard, je viens de te renseigner, quoi. Son slip n'est plus rose. N'importe plus. Je le dirai en privé. Ce serait chaud de faire des pavés ici. Ok. Tu as énormément changé. Tu n'es plus le même. Ah, mais il est là, en fait. Ah bah ça, je suis désolé, mais... Et le cliché d'un moine. Si je vous demande de me dessiner un moine, là, vite fait, je suis sûr qu'il ressemblerait à ça. Un bonjour, un monsieur. Ah, il a encore sa serviette. Un moine Yeshut. Alors, le signe des éveillés. Putain, c'est quoi le signe des éveillés? Je sais pas. Bah... Je pars alors. Tu vois, je vais rentrer dans le supermarché. Des fois que j'ai un signe des éveillés dans mon inventaire, mais... Bah... Je vois pas. Ouah, mais c'est fou, quoi. Putain, tout ce qu'il y a comme bot en ce moment. Et savoir les tolophores pour toi. Touche pas à mon téton divin. Y a pas des terminaux là dans son supermarché où je puisse un petit peu vider mon inventaire? Ah, pouic. Alors qu'est-ce qui pourrait être un signe des éveillés? Peut-être un des trucs que j'ai trouvé chez Den. C'est-à-dire... Non. C'est là, c'est la flèche rouge. Le parchemin de cette chose. Le sort de réincarnation, peut-être. Écoutez, je pense que c'est ça. Parce que si c'est pas ça, ça veut dire que j'ai aucun objet qui puisse faire la paire et qu'il va falloir que je le cherche. Et c'est chiant. Parce que ça voudra dire que je suis encore bloqué.
Et oui, je sais, j'espère que vous n'avez pas trop de mal à me comprendre avec mon ébouché, mais bon. Bonjour, petit carbet, toi. Oui, tu comprends, tu vois l'élu, oui. Ce racisme des moines. Je repasse quelques minutes, j'arrive pas à dormir. Mais bienvenue, Little Unicorn. On parle de choses bizarres dans le chat, comme d'habitude. Je suis sûr que tu vas trouver de quoi dire d'intéressant. Alors, bonjour. Moine, qu'est-ce que tu fais avec tes mains, là? Tu touches où? Bon, allez, on arrête les conneries. Alors, moine, je vais rentrer mes mains dans ta tête et te montrer le sort de réincarnation. S'en fout. Je vais te montrer le parchemin de Jafail. Il s'en fout. Un poster érotique? Le plan de Den. Ouais, il s'en fout. Bon, c'était quoi les autres trucs? Ce code pourra sûrement être utile. Le quatrième, de la deuxième, le troisième, de la cinquième. Non, ça m'aide pas, ça. L'accès à la porte se trouve dans le bureau de Gandar. Pour pouvoir le détruire, il te faudra un bâton de pouvoir. Un moine Yeshu t'attend de... Ouais. Le seul moyen d'accéder au bureau de Gandar est de passer par les conduits d'aération qui partent de la salle de ventilation au centre de sécurité. Den et toi aviez trouvé le moyen d'y accéder avant de mourir. Très bien. Bah, c'est parti pour le centre de sécurité, alors. Pervers. Non. Alors, appartement de quai, message... Mais il avait les mains comme ça en obol, quoi. Et puis ça, il grattait. Voilà. Donc... Appartement... Non, mais non, qu'est-ce que... Mais... centre de sécurité, voilà. Bon, c'est chaud de refaire l'accent asiatique. Oh non, c'est pas chaud. Michel Leb m'a tout appris, hein, dans ma jeunesse. Bonjour, petit Nem. L'eau, tu vas tuer. Raciste, hein. Je l'ai lu à voix haute avec l'accent. C'est comme quand, avec Lord Bater, on s'amuse à faire des accents improbables mexicains. Bon, je vais essayer de pas me faire renverser. Le centre de sécurité, c'est ça, hein? Ouais. Non. Non. C'est pas le centre de sécurité. Putain. Tu vas voir, il est où, le centre de sécurité? Ouais. Ah, il est là-bas. Je crois. Oui. Oui. Donc, je dois aller dans le... Bah, dans la maintenance, je suppose, si je cherche des grilles. Et me servir du super gribouillon que m'a fait Den. Qui va m'être extrêmement utile, je parie. Voilà, du calme, le robot. Du calme. Alors, hop... Centre de surveillance, centre de maintenance. Ouais, je pense que c'est là. Le temps de me moucher. Voilà. Chaud à écrire en accent asiatique, mais facile à le faire à l'oral. Oui, c'est un des accents simples à faire. Moi j'ai du mal genre avec le belge, mais l'asiatique, tu vois, y a aucun problème quoi. Et l'accent africain aussi, j'ai te l'avais bien. Raciste. Il y a deux types de personnes, le monde, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. Pourquoi la petite fille est tombée de la balançoire? T'as pris tes cachets, mais Kiki? Qu'est-ce qui est en train de se passer ce soir? Alors, centre de maintenance, c'était la porte rouge ou bleue, je sais plus. C'est quoi ici? Attendez. Il y avait marqué quoi sur le plan de Den? Plan de Den. Examiner. Hop, fin mystérieux. Passe conduit d'aération qui part de la salle de ventilation du centre de sécurité. La salle de ventilation, elle est où? Moi j'aurais dit que c'était en maintenance, mais visiblement c'est pas le cas. À moins que. Attendez. «
ce remouchage hyper sexy. T'en as raté 5 ou 6, hein, je suis désolé, Little Nicole. Je ferai une compilation de mes mouchages hyper sexy sur YouTube. Alors, salle de surveillance... Ah tiens, allez, pour faire plaisir à Cacahuète, j'allais dire. Je suis désolé, c'était pas exprès, il y avait pas de jeu de mots de chercher là-dedans. On va aller voir sa copine Léa, qui doit être encore vautrée sur son bureau. Putain, oui. Je crois qu'en fait, j'ai forcé la dose et qu'elle est morte. Oh merde. Donc, je cherche quoi? Où est-ce qu'il pourrait y avoir des conduits? J'aurais dit aux maintenances, moi. Bureau Gandar, entrée principale. Ça, non. Les archives détention, je pense pas. Salle de surveillance, non. Ouais, non, ça peut être qu'à la maintenance. Ah, mais c'est ça, salle des aérateurs, c'est la porte orange. C'est logique. Bon, ils auraient dit salle de ventilation, ça aurait été logique pour tout le monde, mais voilà. Remouchage hyper sexe. Je vais finir avec un nez rouge de pocheron. Ah oui, j'ai pas mémoire d'être venu ici. Tu sais faire Eddie Mahalo? Je saurais faire Eddie Mahalo si je me souvenais en fait de ce qu'il dit Eddie Mahalo. C'est vrai ça, fils. Ah, parce que la petite fille elle a pas de bras. Putain, mec, bras. Déjà, pourquoi le héros il est roux? Alors, faut savoir que dans ce jeu, allez, je fais encore un petit passage pour vous faire plaisir. Ce n'est pas le pire roux. Voilà. Vous voulez voir un roux terrible, hyper beau gosse? Je vais vous montrer. Il est juste à côté, donc c'est pas difficile. Voilà. Et je vais vous présenter un copain à moi, qui aime bien les bières, et qui est le roux le plus BG du monde. Oh non! Il veut pas me parler! Oh ouais, mais non, je le vois pas, là, comme ça. Allez, on va essayer de... Putain de jeu de merde, voilà. Ouais. Ah mais regardez sa tête. En fait, c'est typiquement le gars qui a plus de cheveux du tout. Alors il essaye de d'éparpiller tout ce qu'il a. Vous savez, sur le... C'est genre, non, j'en ai plus. Alors j'ai du mal à j'en ai plein. Voilà, c'est beau, j'en ai plein. Donc, ah oui, il y a sourcil orphelin, c'est vrai. Il a aussi les magnifiques... Voilà, il a un seul magnifique sourcil. Mais son sourcil, il est au milieu. Puis il est un peu plus d'un côté, quoi. Et j'avais pas vu, mais il a une magnifique barbe rousse aussi. Voilà, c'est un copain. Parce que dans ce jeu, les gens ont des beaux gosses. Oh mon dieu, mes yeux. Non, ça va, on s'habitue. Faut dire qu'à force de jouer à ce jeu-là... Je pense qu'après, vous pouvez me donner n'importe quel jeu moche. Et en fait, ça va. Pour y jouer sans problème. Il y a eu un bruit, non? Ouais, il y a mon téléphone, voilà. J'ai reçu un message. Ouais, j'ai reçu un message d'une certaine Cahouette. Ouais, je devrais penser vraiment à éteindre mon téléphone quand je fais des lives, quoi. Bon, voilà. Allez, je pense que c'est là. Parce que de toute façon, je peux pas rentrer dans les autres portes. C'est quoi, ça? Ah! Et là, le dessin de Den prend tout son sens, en fait. Ah, attendez. Est-ce que, en utilisant le pass de sécurité... Oh, ça marche! C'est beau. Ça marche, c'est parfait. Tu devrais regarder, ça doit être important. Oh, regardons. J'ai pas que toi. Voilà. Alors, faut savoir que... Alors, on va essayer de cacher ton numéro quand même. Attends, est-ce que je peux faire un agrandissement? Voilà. Voilà le genre de message que m'envoie Cahouette sur mon téléphone. J'hésitais, pardon, mais t'as pas. Bon, ça va, tu es pardonné. C'est bien parce que c'est toi. Donc, ça y est, j'ai désactivé le truc.
truc en bas, mais comment je fais pour y aller? Y a pas un escalier? Parce que normalement l'accès il se trouve en bas, c'est-à-dire en reprenant le chemin que je viens de faire. Mais... Parce que là en fait il y a que des consoles, mais je m'en fous un peu des consoles en fait, elles me servent à rien. Merci, mais voilà, rassuré. Je ne te taperai pas, mais la prochaine fois je sors la ceinture. Ce sont un armoire électrique. Ouais, mais non. Parce que j'ai quoi là sur moi? C'est quoi ça déjà le parchemin déjà fait là? Ah non, c'est vrai. On peut pas le lire. Plan d'Eden. Alors, plan d'Eden. Il est tellement parfait ton plan, mec. Ouais. Donc, en fait, il faudrait que je prenne une de ces portes qui est là, je pense. Ah, ok. La porte est fermée. J'entends un vrombissement sourd venant de l'autre côté. Et je l'ouvre comment? Est-ce que je peux ouvrir celle-ci? C'est fermé. Ben, je vais où alors? Attendez. Caméra? Merci. Ben, bravo. Ouais, c'est un selfie de Kawette, hein. Que vous vouliez le croire ou pas. Je suis jalouse. Perso, j'aurais envoyé une photo de ce que tout le monde veut en secret. Le kilt de Big Braz. Un peu de sport, mais c'est bien tout ça. Eh, j'ai une cinématique devant une porte fermée, c'est pas une blague. Mais attendez. Parchemin de... Utilisé? Ouais, non, ça m'aurait étonné que... Parchemin, munition... Ah, est-ce que je peux utiliser mon octogun? Et octo pourrir cette putain de porte? Non. Est-ce que je peux... C'est quoi ça? Non, est-ce que je peux utiliser mon waver? Je crois que c'est un... Je crois que c'est une arme aussi. Bon, visiblement, y aller par la force, c'est pas le truc à faire. Session, note d'Anissa. Talisman de Thélis. Qu'est-ce que je dois faire? Merde. Comment j'ouvre la porte? Hey! Coucou Bibrowski! Ça va bien? Il n'y a plus d'espoir. Il y a trop de rouge dans ce chat. Ça pique les yeux. Comment? Rien d'intéressant. Je peux pas ouvrir les portes d'ici, quoi. Comment? Rien d'intéressant. Mais comment je suis censé ouvrir les portes alors? Alors, je sens que bientôt, je vais devoir réutiliser la soluce. Ici... Ah, attendez. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Il y a un boîtier. Ouh. Ok. Ça, c'est fait. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Merde. Comment qu'on nage? Hé! Ah, oula! Ouah, ça rappelle le premier Tomb Raider. Oh merde! C'est très sexy, hein, tout ça. Ok. Alors, où dois-je me rendre? Tu finis à 23h ce soir? Ouais! Parce que ce soir, ça allait. J'ai quand même avancé. C'était pas tout pourrave comme hier où au bout d'une heure de jeu j'avais rien fait quoi. D'ailleurs j'ai galéré pour la rediff sur YouTube en fait. Moi qui aime bien stocker, faire des petites archives. Roussiste. Je suis pas roussiste, j'aime bien Big Braz. Sauf que le mouvement de jambe fait pas le même effet que sur le jeu que sur Tomb Raider. Ouais. Et c'est dur de rappeler quand même que ce jeu est sorti environ 5-6 ans après Tomb Raider quoi. Le premier. Fait la grenouille, exactement, j'ai pensé à la même chose, Vitaloun. Il doit se faire se claquer les... Maléol. Ah, parce qu'il va être... Oui, je sais, il est bientôt l'heure d'arriver, d'arrêter le chat, effectivement. Oh putain, d'arrêter le live. Je dîne un peu, moi.
Ah d'accord, bah là je... Oui mais non, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est pas revenir ici. Ah puis il est tombé comme un piano quoi. Dans l'eau, c'est pouf. Est-ce qu'il y aurait pas une échelle qui me permettrait de grimper là sur... sur les pales du ventilo. Putain, waouh, c'est un truc de fou. Oh, il est trop laid ce jeu. Je m'attendais pas à ça en fait. C'est l'os de la cheville. Ah. Mais quel héros nage comme une grenouille maintenant. Frogger? Ah, je crois que la référence de Frogger c'est peut-être un petit peu trop datée pour vous. Je sais pas s'il y en a qui vont comprendre la ref. Ne nous plaignons pas, il y a des jeux où les personnages font carrément la planche. Aïe! J'en vois pas. Limite, je préfère le... Maléole. J'aime pas ce mot. Limite, je préfère le beau gosse des Québécois. Moi, je trouve ça mignon, les gosses des Québécois. Faut pas leur dire que t'as trois gosses, parce que sinon... Bah voilà. Est-ce que ça, je peux faire... Non, je peux pas agir avec ça. Je comprends pas, je dois faire quoi? Oh, punaise, je peux nager. Et ça, là, je peux rentrer? Puis en fait, tout est super sombre, je vois tellement pas, quoi. Et la caméra, je peux pas la contrôler. Il y a aucun contrôle possible sur la caméra dans ce jeu. D'une, parce que... Alors, c'est expliqué très facilement. Il y a pas de second joystick sur ce pad de merde, là. Ouais, j'ai pas fini de le dire, mais alors le pad de la Dreamcast, oh, c'est une horreur. Alors attendez, est-ce que j'ai mal sauté en fait, et du coup je suis tombé à l'eau, alors qu'il aurait fallu tomber pile sur la pale du ventilo. Si ça se trouve, il faut remonter. L'accent québécois est largement l'accent... Le plus tue l'amour qu'il y a. Ah, oh, moi je trouve ça mignon. Je sais pas, j'aime bien l'accent québécois. Il y a Kawet qui m'avait fait découvrir un site. C'était Québec même, j'adore ça. Et depuis, je crois que j'y vais toutes les semaines en fait. Ça me fait tellement rire de voir leurs expressions. Mais moi j'aime bien. Genre quand ils disent ma blonde pour appeler leur copine, bah. C'est un petit côté mignon quoi. Attendez, y a pas des trucs qui traînent là? Ah non. Donc, alors voilà, est-ce que ça voudrait dire que là, je dois sauter? Ouais, mais non. Bah oui, c'est complètement con. Quel que soit l'endroit où je saute, je suis obligé de tomber dans l'eau. Est-ce que je peux déplacer les pales? Ce n'est plus la peine. Ouais. Ou alors... Ce sont des consoles de commande. Bah, rien d'intéressant. Si. Parce que je comprends pas quoi faire là en fait. Comment je suis censé grimper? Il y a un passage que j'ai pas vu. Alors, il sait faire la brasse, mais seulement quand il est à la surface. Ça marche pas sinon. Du coup, on se tape la vieille. La vieille nage de merde, là. Est-ce qu'il y a une échelle, genre, là-dedans, là? Ah oui, c'est vrai, je lui lâche plus. Non, j'aime bien. J'aime bien Québec, même. Ouais. Mais c'est trop bello, l'accent québécois. Voilà, et en plus, Little Unicorn est bien, est d'accord avec nous. On va faire un clan des gens qui sont d'accord pour que l'accent québécois... C'est le plus beau du monde. Attendez, et ça là, y a pas quelque chose ici? Oh non, mais c'est pas vrai, putain, mais je dois aller où? Ça, je suis tellement content parce qu'à chaque fois je lui dis ouais, je suis enfin débloqué. Et en fait, non. À chaque fois, il y a un truc qui me dit, enfin, il y a le jeu qui me rappelle que non, c'est une. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un truc au fond de l'eau qu'il faut récupérer? J'en sais rien, quoi. En fait, je trouve ça bizarre que je puisse plus bouger l'hélice là-haut.
Non, il y a juste rien. Il y a rien, il y a pas une échelle. Ou alors je la vois pas. Alors, je vais essayer de plonger. Hop là. Puis c'est contrôle, merde quoi. Donc. Ouais, je cherche un trou, hein. Ouais, je sais, on cherche tous des trous dans la vie, mais. Dans ce jeu, il n'y en a pas des masses. Ouais. Est-ce que je peux réagir? Enfin, je peux pas interagir avec ça là? Non. Il n'y a pas quelque chose ici? Ça se trouve, faut vider l'eau, je sais pas. Ah, attendez. Peut-être que maintenant. Ah. Mais monte! Mais. Putain. Mais merde! Ah, voilà. Peut-être que maintenant je peux ouvrir la porte. Qui était à côté. De manière complètement magique d'ailleurs. Ah non. Rien à signaler. Putain, une porte devant toi quoi. Je ne vois pas quoi faire avec ça. Putain, mais t'es con mec. Mais t'es tellement con. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On verra ça. Et bah demain. En attendant, je vais me trouver un point de sauvegarde. Alors, où, j'en sais rien. Tu sais, je suis complètement découragé, quoi. Vous pouvez pas vous rendre compte. Et puis ici, il n'y a pas de point de sauvegarde. Je vais aller au bureau de... Ah, attendez! Il y en a un à côté, je crois. Ouais, il y a un bureau... Il y a un point de sauvegarde, là-bas. À côté de mon copain, le rouquin, là. Avec les cheveux tout bizarres, qui fait mal aux yeux. Il me semble qu'au fond... Voilà, on le voit qui est en train de briller. Hop. Sauvegarde. Ah, ça fait du bien. Oui. Cette phrase est dégueulasse et elle tue l'amour. De quoi? Top dans le fond, je suis potonné. C'est quoi ce truc? Alors le Tibi, quand je le rappelle, c'est la VR Memories. Les fameuses cartes du futur de la Dreamcast. Bon, et ben, en tout cas, je vous remercie à tous, encore une fois, d'être venus avec moi suivre ce live sur ce jeu de merde. Enfin, qui n'est pas vraiment un jeu de merde, finalement. Il y a des trucs intéressants, je le répète. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain sur un jeu surprise. Je ne sais pas lequel. On verra. Moi, je vais essayer de vous faire un truc cool, quoi. Essayer de changer des jeux de rythme qui, visiblement, ne vous plaisent pas. Votre merci aussi mon cher. Je vous fais plein de bisous. Donc rendez-vous à demain. Et bah voilà, passez une bonne nuit. Voilà. Bisous. Ah, désolé hein, pour le bruit dégueulasse. Ah, je vais couper le micro.